Bonsoir, il y avait encore des averses sur la moitié nord ce lundi, au sud c'était quand même un peu mieux, ça sera à nouveau très nuageux pour cette journée de mardi dès le matin entre l'océan et les frontières allemandes avec notamment des averses dans le nord-est, elles seront parfois accompagnées de coups de tonnerre, le soleil présent surtout vers la Méditerranée y compris durant l'après-midi avec des conditions toujours très nuageuses pour les autres régions, des averses notamment sur le quart nord-est où elles pourront prendre un caractère orageux. Les températures de ce mardi matin évolueront entre 10 degrés pour Aurillac, 19 degrés pour Nice, ça reste frais aussi pour l'après-midi, avec seulement 17 degrés à Brest, 19 à Poitiers, 22 du côté de Mâcon, 24 à Lyon, la chaleur surtout pour la Méditerranée, 28 ou 29 degrés. Mercredi, encore de nombreux nuages, avec cette fois-ci une nouvelle onde pluvieuse qui va intéresser le sud du pays, et glissant de l'Occitanie vers les Alpes, avec un arrosage sans doute assez copieux, ailleurs un risque d'averse, des températures très basses. Pour la saison, il ne fera que 17 degrés à Rodez, 19 à Lyon, 20 degrés à Toulouse, 21 pour Paris et 29 du côté d'Ajaccio. Jeudi, une amélioration est attendue dans le sud avec un temps bien ensoleillé, mais le vent sera présent entre Corse et continent. Au nord, toujours des nuages avec un risque d'averse, notamment sur le quart nord-ouest avec un vent qui s'annonce soutenu, des températures qui auront toujours du mal à remonter. On gagnera quand même quelques degrés et dans le sud avec par exemple 25 à Toulouse. La suite avec les journées est de vendredi et de samedi, toujours instable sur le pays, de nouvelles averses notamment pour le nord vendredi, et puis un nouveau passage pluvieux orageux samedi dans le sud et dans l'est, température bien fraîche pour la saison, et puis ça devrait commencer à s'améliorer pour dimanche et pour lundi, avec des averses de plus en plus discrètes, un soleil progressivement plus présent, et des températures qui commenceront à remonter. Ce soir, direction le département de la Haute-Savoie, avec de nombreux nuages ce matin au-dessus du lac d'Annecy, sur la commune de D'ailleurs, on voit des bancs nuageux directement au-dessus du lac. Nous serons demain le mardi 3 août et nous fêterons la Sainte Lydie. Bonne soirée à tous et à demain.